Coucou tout le monde. Alors, je viens vous faire une toute petite vidéo. Je vais un petit peu mieux. Alors, un petit peu mieux, hein, voilà. Hier, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est repassé, hein. C'est la pleine lune, hein. On a l'habitude, hein, quand c'est la pleine lune, on sait que, voilà. Bon, bref. Donc, vous inquiétez pas, je me protège. Mais hier, j'ai passé toute ma journée à rendre. Et donc, je suis vidée, quoi. C'était juste insupportable. Pourtant, je suis pas malade, je suis pas de fièvre, j'ai rien du tout. Donc voilà. Enfin bref, on voulait certainement pas que je fasse de vidéos ou de choses comme ça. En plus, je suis très occupée parce que je continue mes dossiers. Vous savez que j'ai un combat à mener et je vais le mener jusqu'au bout, hein, même si il y a des espèces de toyeurs qui essayent de venir me fracasser dans les manifestations. Alors prépare-toi parce qu'il va encore y en avoir cette semaine. Voilà. Donc, juste pour vous dire que la boutique sera encore fermée mardi, mercredi et certainement jeudi, voilà, puisque je pars mardi, voilà, parce que on va encore manifester, hein, puisque ça bouge un peu, mais on n'est pas très entendu. Donc on va se faire entendre, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on mène un combat, faut aller jusqu'au bout. Voilà. En plus, vous avez vu, j'ai changé mes meubles de place et tout. J'ai remis mon bureau dans mon hall, comme ça, voilà. Parce que ma cuisine, elle est moche. Donc j'attends que j'ai les moyens de m'acheter une cuisine. Mais alors, c'est pas de mal à veille, hein, parce que maintenant, on va falloir payer encore des avocats. Voilà. C'est la vie, ma pauvre Lucette. Hein, voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc la boutique, elle sera fermée mardi, mercredi, jeudi. Donc, les colis repartiront le vendredi. Elle reste ouverte, d'accord? Mais vous savez qu'il y aura un laps de temps plus long pour l'envoi des colis. Voilà. Donc ça, je suis en train de faire bien mes dossiers, bien classés, pour bien que les gens comprennent, hein, parce que sinon, ils ne comprennent rien. Donc tout imprimé, tout leur noter dessus, voilà, enfin, toutes les preuves, hein, parce que là, ça commence à bien faire. Donc ça, et puis je voulais vous dire aussi, pour les gens qui me demandent pour Philippe voilà, j'ai déjà fait des tirages sur ce monsieur, deux tirages qui se ressemblent. De plus, allez regarder, parce que il est en train de faire sa campagne électorale. Et sur un site que j'aimais beaucoup, La Colère des Rues, je crois, un truc comme ça, voilà, il est passé. Et puis, si vous avez un peu de jugeote, vous comprenez que monsieur, il est en campagne électorale. Vous comprenez que pour se faire connaître, il a été obligé d'aller voir Mister Trump, hein, voilà. Il le dit clairement lui-même dans la vidéo, hein, voilà. Et puis, moi, je sais pas, hein, mais ça fait 100 fois que je vous dis, réveillez-vous les gens, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous voulez encore qu'on continue dans le système? Allez-y, votez pour lui. Parce que moi, je vois que depuis 2017, normalement, on n'aurait pas dû vivre cette merde, puisqu'il a un dossier super phénoménal où il aurait pu faire partir Pinocchio en 5 minutes. Et là, si je me souviens bien, dans cette vidéo que j'ai vue, le lien qu'on m'a envoyé, donc j'ai regardé quand même, j'ai écouté, parce que je regarde pas, je m'assois pas pour écouter, j'ai pas le temps. Il dit clairement, hein, qu'il peut nous aider si on vote pour lui. Voilà. Ouais. Voilà, campagne électorale. Vous allez vous réveiller quand, les amis? Alors, je sais qu'il y a des chaînes qui font leur pub et tout, mais n'oubliez pas qu'ils font partie de leur parti. Vous comprenez? C'est pas méchant. Ils sont en campagne électorale. Vous le comprenez, ça, ou vous comprenez pas? Parce que moi, je sais pas, il y a un problème. Voilà. Enfin, moi, je vois le truc arriver, hein. Chacun a son libre arbitre, vous votez pour lui, hein, parce que je vois qu'il y en a que. Oh ouais, ils le prennent pour Dieu, il n'y a que lui qui peut nous sauver, quoi. Voilà. Eh bien, moi, je pense qu'on va encore être dans la bourrasque, hein. Voilà. Après, si vous avez envie de quitter un monde comme ça, pour remettre un monde comme ça, parce que moi, je vous le dis clairement, ce ne sera pas mieux. Donc, écoutez, faites, hein, moi, je sais pas, hein, faites comme bon vous semble, hein, d'accord? Voilà. Moi, en tout cas, je sais qu'on est assez grand pour se gouverner nous-mêmes. On n'a pas besoin de payer tous ces gens-là. On va y arriver nous-mêmes, d'accord? Et puis,
Ça fait 100 fois, 1000 fois, 30 000 fois, je ne sais plus combien de fois je vous le dis. Ce sera l'armée. D'accord? C'est pas parce que son père était dans l'armée que ce sera lui. Rien à voir. Ce sera l'armée. Vous comprenez ça? Voilà. Alors après, ben peut-être qu'il faudra voter par rapport à l'armée. Voilà. Mais faites attention à qui vous votez, quoi. Quand on vous dit qu'on peut vous sortir de cette bourre parce qu'on a un dossier comme ça, ben n'attends rien. Si franchement tu es pour le peuple, n'attends rien. Sors-le, ce dossier. Fais quelque chose. Nos enfants sont en danger et tout, là. Alors, faut se bouger. Alors pourquoi on fait rien? Ben parce que, voilà. Parce qu'on veut bien, à condition que si on va dans les conditions, c'est pas possible. On va pas s'en sortir comme ça. Pour réaliser. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule. Donc moi, les commentaires à propos de ce monsieur, moi, je veux pas aller voir sur ma chaîne. J'ai fait les tirages, voilà, deux fois où j'ai été agressée, hein, voilà. Vous le savez, parce que, hein, attention, hein, c'est une équipe terrible, quand même. Hein. On n'a pas le droit de dire ce que les cartes disent et on n'a pas le droit de donner le fond de sa pensée, donc je vous donne le fond de ma pensée. Ok, pour ce monsieur, c'est super bien, on sera dans la merde. Impeccable, les amis. Voilà. Puis en plus, c'est vicieux, hein. On met des femmes et tout ça. Vous savez, c'est vicieux, quoi. C'est vicieux, hein. C'est un peu trop vicieux. Enfin bref, des chaînes connues, tout ça, faire ça plus bon. Bref, après, chacun fait comme il veut, hein. Mais si vous avez envie de retourner dans cette boîte-là, faites-le. Moi, je vous dis que ça. Mais moi, je ne fais plus de tirage sur ce monsieur. Voilà. Et mon point de vue, bah, vous l'avez. Repartez dans la même erreur. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, aussi, il y a une personne qui m'avait demandé un écrin rose. Donc, voici, il est fait depuis la semaine dernière. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Voilà. Donc, j'ai mis un petit téléphone. Voilà, pour l'écrin rose. Donc, si la personne voit la vidéo, elle me dira s'il lui plaît. Hein, voilà. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez, parce que là, je dois repasser une commande chez le deuxième fournisseur, parce que le premier fournisseur, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a presque plus rien. N'oubliez pas, si vous voulez voir quelque chose dans la boutique, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous, d'accord? Moi, je m'arrange pour essayer de le trouver. D'accord? C'est important. Malgré que j'ai un combat, je continue ma boutique. De toute façon, en même temps, il va falloir que je travaille parce que l'avocat ne va pas se payer tout seul. Et surtout que là, c'est une grosse affaire, donc je pense que ça va me coûter pactole. Pour les trolls, non, il y a pas de cagnotte. Alors tais-toi, ferme ta bouche, n'essaye pas de faire des vidéos contre moi. Je ne parle pas de cagnotte, ok? Voilà. Donc, ben voilà ce que j'ai à vous dire. Si j'ai 5 minutes, là, comme je me sens à moitié mieux, je vais essayer de venir vous faire un tirage aussi sur la reine d'Angle 1, hein, voilà. Eh bien, je vous avais dit qu'à la fin, bizarrement, tout le monde allait avoir... tout le monde allait mourir, hein? Voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Bon, bah écoutez, ouais, voilà. Donc, mourir ou Guantanamo? Hein, ça, voilà, fallait que ça arrive. Je vous dis qu'on est en plein dans le ménage, donc on est dans le ménage, voilà. Donc, essayez d'écouter votre petite voix à l'intérieur, votre intuition, hein, et ce sera beaucoup mieux que d'écouter n'importe quoi et surtout n'importe qui vont encore vous emmener dans l'erreur, ok? Ça, c'est très important, il faut bien le comprendre, hein. Voilà, je peux rien vous dire d'autre, les amis. Alors, je pense venir tout à l'heure, voilà. Donc, je vous fais des bisous, puis bah, à tout à l'heure.